Le caractère aléatoire de la pêche et la variation entre l'offre et la demande génèrent des invendus. Chaque jour, des poissons sont retirés du marché et détruits. Un moyen d'éviter l'effondrement des cours. En France, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont estimés entre 1 et 3 millions de personnes. Ces personnes ont rarement accès aux poissons. Panier de la Mer 62 récupère les poissons invendus, les transforme et les distribue au profit de l'aide alimentaire. Les paniers de la mer déjà ont été créés en premier lieu au Guilvinec, en Bretagne. Et on a pu monter le panier de la mer à Boulogne. Et ont suivi, ou peut-être pas dans cet ordre-là, mais celui de Lorient, de La Rochelle, et le dernier en date de Saint-Malo. En appliquant toujours les mêmes statuts, qui tient donc sur trois volets. La valorisation de la ressource par une pêche qui n'aboutit pas à la vente, et qui normalement est détruite donc. La transformation de ces produits via un chantier d'insertion, qui est donc lui basé sur la valorisation et la professionnalisation des salariés, l'accompagnement des salariés. Et le troisième volet, qui est l'aide alimentaire, puisque tous les produits sont redistribués à des structures rattachées aux réseaux nationaux. Donc sinon, le contrat de travail, pour eux, c'est un contrat classique. C'est un CDD de 6 mois, renouvelable, mais pas obligatoirement, sur au-delà, quoi, jusqu'à 2 ans. Ils sont payés au SMIC de l'heure. On a des gens qui n'ont jamais travaillé dans la marée, et il y a des gens qui ne travailleront jamais dans la marée. La marée reste un support pédagogique sur lequel on travaille avec les personnes pour trouver une solution à l'emploi, à la formation, ou lever des freins durant le passage chez nous, et qui toujours une plus-value en sortant du contrat. Le but, c'est ça, quand ils viennent chez nous, c'est de dire, vous avez un outil en main, on ne fera pas à votre place, par contre, on peut vous amener à faire ou vous accompagner à faire. Donc c'est vrai que nous, les associations, on coûte à la société, ça c'est sûr, au Conseil Général, l'État, il nous finance quand même, mais la plus-value à côté, elle est essentielle. On n'y gagne pas forcément financièrement en entreprise, mais on y gagne parce que les personnes sont en meilleure santé. Il y a tous les périphériques. Elles coûteront moins parce qu'elles paieront leur facture d'énergie en temps et en heure, parce qu'il n'y aura pas des problématiques à côté de logement. Donc, on crée quand même une valeur ajoutée. Ils ont un salaire qui réinjecte dans l'économie locale, parce que comme ils ne partent pas, ils n'ont pas de voiture ni rien, de toute façon, leur salaire, il est réinjecté sur le territoire. Donc, ce sont toutes ces valeurs-là qu'on essaie de faire valoir pour multiplier ces actions. Et c'est surtout que si on ne veut pas justement qu'il y ait des gens qui restent sur le bord de la route, bah, il faut mettre les moyens. Ou alors on dit, bon, on les laisse à leur RSA, 400 euros par mois, et puis voilà. Il n'y a rien de pire que la solitude sociale et l'isolement. Et nous, on voit ici, le travail, c'est vrai que ça ramène un salaire, mais moi, j'ai même des personnes qui viendraient même sans salaire. Il faut enlever cette image qu'on a du RSA qui reste chez lui, qui touche et puis qui ne fait rien d'autre, qui est bien content. Il y en a. Mais de façon générale, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent cette reconnaissance-là et faire partie du groupe, de toute la société, et qui ne l'ont pas.